Yo les gars, salut à toutes et à tous, c'est Serbe, comment allez-vous? Moi ça va super bien, petite vidéo sur Bloxroot, un tuto les gars, ça fait très longtemps qu'on n'a pas refait de tuto, au moins 6 mois je pense. Et on est directement parti pour comment aller, pas dans le deuxième monde, mais comment aller dans le troisième monde. Donc tout d'abord, il va falloir être level 1500, donc normalement c'est tout bon pour tout le monde. Et se diriger au Colosseum, donc qui se trouve tout là-bas, tout le monde connaît normalement. Hop. Et donc, on se retrouve une fois au Colosseum. Une fois au Colosseum, on aura juste besoin de descendre en bas, là, comme vous avez fait la petite quête pour faire Doflamingo. Et donc, ça ouvre les grilles. Une fois ouvertes les grilles, c'est juste aller dans la grille de droite. Et hop, là, il y a un petit perso à parler. Vous le parlez, on s'en fout de ce qu'il dit. Voilà, il est triste. Hop, et ça va nous faire TP à cet endroit. On va se transformer. On se transforme en Bouddha et on aura un perso à battre juste ici. Mais Chichi l'a battu, donc bah ah non, il est juste ici. Ok, et donc là on a juste un perso à battre. Normalement ça devrait le faire. Hop, je te demande d'en aller, Chichi. Hop, et voilà. Normalement ça a pas l'air d'être très compliqué de le battre. Il a l'air même assez simple. Regardez, il a pas grand-chose à faire. Il a une Yoru, il a de la chance contrairement à d'autres. Ah oui, d'accord. Ok. Là, les gars, je suis aussi en découverte de mon côté. Donc là. What? Il a repris sa HP? Hein? Attendez, est-ce qu'il y a du son? Oh, c'est fou, là, les gars. Ok. Incroyable. Donc, c'est exactement la même scène qu'on a vue dans le sneak peek, les gars. Et là, maintenant, il va falloir aller dans la green zone. Donc, on va suivre Shizlato. On va y aller, du coup, green zone. Et la scène était incroyable. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez kiffé. Personnellement, c'est fou. Elle était trop bien. Donc, Green Zone, tout là-bas, du coup, normalement, tout le monde connaît. Si vous êtes level 1500, j'imagine que vous connaissez c'est quoi la Green Zone, quand même. Là, on va bientôt être arrivé. Je sais pas c'est qui a exactement parlé, mais vous allez bien voir, quitter ou pas. Hop, et donc, non, voilà, du coup, on est bien arrivé à la Green Zone. Et on va suivre Chichi, qui va nous indiquer où est-ce qu'il faut aller. Et donc, voilà le téléporteur du troisième monde. On a juste à cliquer, le parler. Et pareil, ça nous téléporte dans le troisième monde. Ok. Donc le chargement a l'air d'être assez long. Et bah, c'est incroyable. Enfin, cette mise à jour, elle est enfin arrivée. Et voilà, vous avez enfin le tout premier tuto de comment aller dans le troisième monde. Po, 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 po. Il est incroyable. On va visiter un petit peu ça les gars, maintenant c'est fin du tuto, pour ceux qui sont venus juste pour le tuto, vous pouvez vous en aller, et pour les autres, on va vite fait visiter, et ça a l'air d'être fou. Oh mais il est énorme, et il y a plein de mondes différents. C'est juste incroyable. Donc là il y a quoi de spécial? Je crois que là-bas il y a un boss, c'est qui? Ketoven 1525, d'accord. Ok, je sais pas s'il y a des choses très intéressantes, peut-être un marchand ou pas. Non. Donc là, il y a les quêtes. On va aller avec Chichi, on va prendre le bateau. On va vite fait visiter, au pire, quelques petites îles. Les gars, on va pas tout visiter. Mais on va essayer de visiter le strict minimum. Donc déjà, il n'y a rien. Les îles se trouvent vraiment de l'autre côté. Là, sur cette île, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il doit y avoir le boss par ici, j'imagine. En tout cas, il n'y a rien d'autre. Ok. Et on va aller du coup visiter là les quelques îles. Donc j'en vois une, deux. Là-bas il y avait un arbre géant, 4, 3. Plus une autre à côté, 4. Voilà, l'air d'être énorme celle-ci. Ok.
On va voir à peu près les levels des zones, etc. Je sais pas si ça peut être laquelle la plus dure, mais oh, ça a l'air d'être fou, toutes les zones. Avec... Ah, mais là-bas, ça peut être là où Robin elle est née, peut-être. Je sais pas. Je commence déjà à faire des théories sans même les voir. Donc là, il y a un grand château, je sais pas. Ah, une Impel Down? Peut-être. Ça m'a l'air, ça peut être potentiellement ça. C'est ça que le bateau va vite, hein. Va vite, hein. Parce qu'elles sont vraiment loin, mais de fou. Attendez, mais c'est quoi ça? C'est un monstre marin? Attendez, hein? C'est la tortue. Une tortue? Ah oui, l'île des éléphants. Par contre, je vois pas tellement ces crapauds. Il y a Jiraya qui est là. Ah, mais c'est une... Ah, d'accord, c'est une tortue qui traîne tout ça. Donc, en gros, c'est référence à l'île Zo de One Piece, j'imagine. Ah, incroyable. Donc, normalement, c'est un éléphant et non une tortue. Bah, normalement, après, les gars, c'est pas source sûre. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Oh ouais, elle est folle. Donc c'est ici que tout le trailer se passait à chaque fois. Là, dans ce petit coin-là, tout le trailer se passait. Alors on peut rentrer ici. Il y a quoi d'intéressant? Il y a la boutique. Il y a celui qui donne les fruits du démon. Et là, il y a plusieurs petits persos. Donc il dit quoi lui? Trois flagrants. Ok, donc lui c'est pour changer de race. Après lui c'est quoi? Ah ok, lui c'est les couleurs d'Aki. Est-ce qu'on peut rentrer dans... Derrière les portes, non, j'ai pas l'impression. Alors, inventory, on continue. Donc là, je crois que c'est le système de trad, si je me trompe pas. Et ça, c'est notre inventaire de base. Ok, à moins que ça va pas charger. Mais est-ce que c'est le truc, l'espèce de truc de trad? Ok, bon. Bon, je vois pas trop qu'est-ce que c'est exactement. Après, il y a quoi d'autre? Donc la bounty expérience. Ok, donc là, c'est vraiment genre le point de repère. C'est quoi ça? Ah, faut avoir peut-être le fruit portail, parce que du coup il y a des nouveaux fruits du démon. Ok. En vrai, c'est très très stylé, j'aime bien. Bah, je pense vraiment que c'est l'île Zoo, les gars. C'est bon, il y a le truc en plein milieu qui fait aussi référence à la baleine, je crois, si je me trompe pas. Et puis voilà, les gars, on va visiter les autres îles et tout dans d'autres vidéos où on va pouvoir les observer et tout. Et puis je pense que c'est déjà une petite fin de vidéo. C'était assez rapide. Voilà le petit tuto comment aller dans la troisième île. C'était CRAB, présente-vous avec Shizuto. Et ciao tout le monde, les gars. Bye.